À Genève, devant 20 000 personnes, les Allemands affrontent les Yougoslaves, favoris sur ce match. Mais à la surprise générale, les Allemands ouvrent le score sur ce but du malheureux Ivan Horvat, qui trompe son propre gardien. 1-0 pour l'Allemagne, les Yougoslaves sortent ensuite de leurs réserves, mais leurs attaques vague après vague n'aboutissent pas. Et c'est au contraire Helmut Rahn qui double le score. Victoire 2-0 de la sélection allemande qui se qualifie pour sa deuxième demi-finale de Coupe du Monde.